En décembre dernier, Julien Doré annonçait être devenu papa pour la première fois. Un bonheur qu'il partage compte-gouttes sur les réseaux sociaux. Mais si les preuves de cette paternité sont rares, elle valent le coup quand elle se montre. L'année 2021 a été particulière pour Julien Doré, et ce, pour de multiples raisons. Outre les conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'empêchant de se produire sur scène, l'ex-compagnon de Marina Hans a dû conjuguer ce bouleversement avec un autre chamboulement dans sa vie, l'arrivée d'un bébé. Dans l'émission 50 minutes ainsi de diffusée au mois de décembre dernier, le chanteur confirmait être devenu papa pour la première fois, avec une mystérieuse compagne. Et à en croire le compte Instagram de l'émission de TF1, il s'agit d'un petit garçon. Quand certaines célébrités multiplient les posts parents-enfants sur les réseaux sociaux, Julien Doré, lui, favorise la discrétion. S'il est évidemment dans le partage, hors de question de tout révéler de cette nouvelle vie de papa. Pourtant, ce mercredi 23 février, l'interprète de Coco Caline a offert un sacré cadeau à ses fans. Julien Doré, en pleine préparation de sa tournée Aimée, a publié deux clichés des plus mignons sur son compte Instagram. On découvre le chanteur, portant un sweat noir floqué Aimé, à côté du mini lui par qui il ne fait que jurer désormais, voire diaporama. Le petit garçon porte le même vêtement que son papa. De loin son meilleur duo depuis le début de sa carrière. Les internautes et les fans se sont empressés de commenter ces photos, jamais vues auparavant. Pour sûr, le plus beau des fans, pour t'accompagner dans la tournée, je fonds, gros câlin avant la tournée, trop chou cette photo, un papa incroyable, je n'en doute pas, trop mimi, peut on notamment lire dans les nombreux messages laissés par les admirateurs de Julien Doré. Toujours pas de signe en revanche de la compagne de l'artiste de 39 ans. Il révélait toutefois en août dernier avoir trouvé chaussure à son pied au magazine Psychologie. « Je ne peux pas vivre sans aimer une femme, le féminin prend une place immense dans ma vie. Je suis dans une relation amoureuse plus apaisée. On ne peut que le constater. » And